Retour en France. Reculer l'âge légal de la retraite, passer de 62 à 65 ans, c'est une proposition du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne l'exclut pas à titre personnel pour le moment. Le sujet est sensible et dans tous les esprits, alors que se tiennent les discussions sur la réforme des retraites. Alexandre Perroux avec notre bureau de Nice. Faut-il repousser l'âge du départ à la retraite à 65 ans? Pour Agnès Buzyn, la question doit être posée. Je ne suis pas hostile, pourquoi? Je suis médecin. Alors je vais être honnête, je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Est-ce que indéfiniment nous allons pouvoir maintenir sur les actifs le poids des retraites qui vont augmenter en nombre et augmenter en durée? Une opinion personnelle, précise-t-elle, mais qui fait polémique en pleine concertation sur la future réforme. Ce matin, Jean-Paul Delevoye, qui pilote le dossier, se dit surpris par ses propos. Du côté des syndicats, on parle d'une provocation. Cette idée est un vrai non-sens par rapport aux engagements présidentiels et aux propos même du haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui lui s'est engagé, enfin les deux se sont engagés à ne pas toucher à l'âge de départ. Et les Français, eux, sont-ils prêts à travailler plus longtemps? Dans cette entreprise de pâtisserie des Alpes-Maritimes, le laboratoire tourne 7 jours sur 7 dès 4 heures du matin. Des conditions de travail difficiles à partir d'un certain âge, selon les salariés. C'est assez pénible, donc au fond, c'est fatigant de travailler jusqu'à 65. Bah, les sacs de sucre, ils font 20 kg, farine, ça fait encore 25 kg. Bah, transporter tous les jours, à la fin, bah, c'est fatigant. Hein. Pour le dirigeant de l'entreprise, c'est donc au cas par cas qu'il faut régler la question du départ à la retraite. Je suis favorable à l'allongement du temps de travail, surtout pour la retraite, mais je pense que c'est un problème physique. Certaines personnes à 60 ans, ils disent « mais non, moi je suis rincé, je ne peux plus continuer ». Et puis d'autres, ils disent « mais je, même à partir de 65, ils disent, mais je veux continuer, je vais faire quoi sinon ?» La réforme devrait être présentée en Conseil des ministres après les élections européennes. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. On évoque le recul de l'âge légal de la retraite, mais l'âge auquel on part réellement à la retraite a déjà reculé. Oui, en effet, en moyenne, les salariés français partent à la retraite à 62 ans et 8 mois. Donc c'est 8 mois de plus que l'âge légal. Et les femmes partent même plus tard. 63 ans en moyenne, souvent à cause de carrières plus hachées du fait des enfants. 62 ans et 5 mois pour les hommes. Alors pour les hommes comme pour les femmes, cet âge recule. En un an, il a augmenté de 2 mois supplémentaires. Un départ à la retraite retardé de plus d'un an, 1 an et 2 mois, depuis la réforme de 2010 qui a repoussé l'âge légal et la durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein. Et chez nos voisins, on en est où ? Alors, chez nos voisins, dans la plupart de ces pays, eh bien, l'âge de départ effectif se fait plus tard. Regardez, en Italie, 63 ans et 10 mois. En Espagne, 64 ans. En Allemagne, 64 ans et 4 mois. En Suède, 65 ans et 4 mois. Et cet âge va reculer. En Allemagne et en Espagne, l'âge légal sera repoussé à 67 ans au plus tard en 2030. Merci Jean-Paul.